un endroit idéal pour se raconter des histoires. Des histoires qui font peur. Oui, parce qu'en Provence, on a eu des monstres. On en connaît au moins deux. La Tarasque et le Drac. Vous savez d'où elle vient, la Tarasque? De hein? De Tarascon? Mais pas du tout. Non, mais vous y êtes pas. Non, non, non. D'ailleurs, les trois coussins recommencent. Pour connaître... Je fais mon intéressant. Pour connaître les origines de la Tarasque, il faut remonter au Moyen-Orient, dans un marécage puant. Là, vivait un monstre abominable qui s'appelait le Léviathan. Là, t'as passé une petite monstresse et, qui lui a plu au Léviathan. Elle s'appelait la Fouivre. Ils se sont aimés, on ne sait pas comment, mais de cette union bizarre est née une monstresse, la Tarasque. Et quand elle s'est disputée avec ses parents, bien sûr c'était une monstresse, elle a quitté le Moyen-Orient pour venir dans le plus beau pays du monde. Là, c'est bien. Je suis d'accord. Et la prochaine fois, vous le direz encore avec un peu plus de ferveur. Donc, elle a quitté la Provence, la Moyen-Orient pour venir en Provence. Et là, elle s'est installée entre Arles et Avignon, au bord du Rhône. Et elle mangeait les troupeaux. Et parfois même les petits-enfants. Et vous savez comment elle est morte? Vous allez être dans le même instructionné maintenant. Et bien voilà. La mort de la Tarasque se situe à peu près à l'époque de la mort de Jésus.